Quelle est la place de l'Afrique dans le nouvel ordre mondial ? Les pays africains s'interrogent. Dans un élan panafricaniste, la conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine tente de sortir le continent de sa léthargie. À Lomé, les participants ont planché sur des thématiques liées aux défis politiques et diplomatiques actuels, la renaissance africaine et des questions de paix et de sécurité. Une initiative portée par le Togo. L'Afrique doit se comporter en entité souveraine et c'est dans cette dynamique et disposition d'esprit que le Togo, avec des pays frères, sont en train de lancer l'idée de l'alliance politique africaine. À l'ouverture des travaux, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbé, s'inspirant du modèle togolais, a donné des orientations pour bâtir une Afrique forte, capable de défendre ses intérêts. Au Togo, sous le très haut leadership de son Excellence M. Faure et Sozinimania Singe, président de la République, nous considérons que la première marque de souveraineté est la souveraineté alimentaire. Nous devons nous acharner à produire ce que nous consommons et éviter ainsi d'être pris en otage par des pays en cas de crise. Les pays africains doivent disposer d'une autonomie en matière sécuritaire et sur des sujets de défense nationale. Première du genre, la conférence ministérielle Alliance politique africaine est une rencontre informelle. Une alliance autour des défis communs, une vocation panafricaniste pour porter au mieux la voix de l'Afrique sur la scène internationale.